D'où Jésus, de méchantes vagues de paranoïa, de folie, de peur et de haine. Des vibrations intolérables dans cet endroit. Fuir d'ici. Les fouines m'encerclaient. Je pouvais sentir ces horribles brutes. Rends-moi service, Seigneur. Donne-moi encore 5 heures de speed intensif avant d'abaisser le marteau. Laisse-moi me débarrasser de cette putain de bagnole et fuir ce désert. Oh, enflure démoniaque! Ceci est en œuvre. Tu ferais bien de t'occuper de moi, Seigneur, sinon tu vas m'avoir sur les bras. Rangez-vous! Bien bonjour, comment ça va? D'accord, vieux. Tout va pour le mieux. Peu de gens appréhendent l'approche psychologique exigée pour les flics d'autoroute. Le chauffard de base va paniquer et se ranger illico sur le bas-côté. Grossière erreur. Ça déclenche le mépris dans le cœur du flic. Faites-vous pourchasser par cet enfoiré. Il vous suivra. Mais il sera dérouté par votre clignotant signalant votre intention de prendre à droite. C'est pour lui faire savoir que vous vous rangez dans un endroit correct, pour mieux dialoguer. Ça lui prendra un moment pour s'apercevoir qu'il va faire un demi-tour complet à pleine vitesse. Mais vous, vous serez paré. Prêt à la puissance de l'accélération, prêt à jouer du pédalier. Salut, comment allez-vous? Mais vous êtes malade, vous vous rendez compte de ce que vous faites? J'aimerais bien savoir. Faites-moi voir votre permis. Ah oui, bien sûr, monsieur l'agent. Tenez, voilà. Il est là. Oh, mon Dieu. C'est moi. S'il vous plaît, donnez-moi ça. Je savais que j'étais baisé. Que vous avez deux caisses de bière, un panier de pamplemousse, un tas de t-shirts, des serviettes et plein d'ampoules. Vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous roulez comme ça? Oui, je sais, je suis coupable. Je comprends tout à fait. C'est un crime et je l'ai fait tout de même. Merde, pourquoi discuter? Je suis une saloperie de criminel. Regardez-moi. Vous avez une drôle d'attitude. Peut-être. Vous savez, j'ai le sentiment que vous devriez aller dormir. Il y a une aire de repos, un peu plus loin. Je voudrais que vous y alliez, que vous y arrêtiez et que vous fassiez un somme. Ça servira à rien. J'ai trop veillé depuis trop longtemps, 3 ou 4 nuits, va savoir. Je me rappelle même plus. Si je fais un somme maintenant, je plonge 20 heures d'affilée. Pourquoi est-ce que vous transportez 2 boîtes de savon? J'aime être soigné.